à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner un truc et astuce tout bête pour pouvoir gagner en gros, c'est pas énorme, mais à peu près 350 euros par an de plus sur votre location en courte durée. Alors, tout d'abord, je vous mets le lien comme d'habitude pour télécharger le guide de l'investissement, guide qui va vous permettre de pouvoir à la fois prendre le bon état d'esprit pour pouvoir passer à l'action et puis également qui va vous permettre de vous renseigner un petit peu plus autour de tout ce qui est investissement locatif et puis de tout ce qui est d'ailleurs le business en général. Donc aujourd'hui on parle tout simplement d'un petit truc, il faut faire attention également comme pour le côté personnel au coût lorsque l'on fait de la location en courte durée. Et quoi de mieux que pour réduire les coûts que d'optimiser l'internet de ta location. Et pour ça, il y a un opérateur qui est vraiment magique, alors je dirais qu'il y en a même deux, c'est à la fois SFR et Free. Pourquoi ? Parce que SFR et Free, depuis un petit moment, se tirent la bourre sur les tarifs internet, sur les tarifs de mobile aussi, mais ce n'est pas le sujet pour la location en courte durée, mais en tout cas sur les mobiles, c'est pareil, je t'invite à aller jeter un œil parce que tu verras que tu n'as pas besoin de payer très très cher les forfaits mobiles. Et en tout cas, par exemple, là, je suis dans mon nouvel investissement. D'ailleurs, j'attends Free qui doit intervenir pour mettre en route la box parce que le téléphone, la prise téléphonique avait été arrêtée depuis un petit moment dans ce logement. Et donc il y a besoin d'une intervention physique pour remettre en route. Mais en tout cas, sache que là par exemple, mon abonnement, je vais le payer 2 euros par mois pendant un an. Donc en gros, c'est un gain d'en gros 30 euros par mois, 30 euros x 12, 360 euros pour l'année. Donc ça fait quelque chose quand même qui est plutôt conséquent. Et en fait, pourquoi ça? Tout simplement parce que Free d'un côté organise des ventes privées régulièrement sur le site venteprivée.com à 1,99€ par mois l'internet pendant un an. Donc si tu es déjà chez Free, tu ne peux pas utiliser ce levier-là parce que en fait Free réserve ça aux nouveaux abonnés. En règle générale, il y a une règle, il ne faut pas avoir été abonné Free depuis plus d'un mois. Voilà, donc ça fonctionne de cette manière-là. Mais c'est 1,99€ et en plus c'est sans engagement. Mais 1,99€, de toute façon, on n'en parle pas. Il y a de l'autre côté SFR qui propose très régulièrement son raid SFR à 10 euros par mois. Donc 10 euros par mois, ça fait qu'une vingtaine d'euros d'économie, mais multiplié par 12, c'est quand même 240 euros de gagné. Donc moi, je t'invite tout simplement, si tu ne l'as jamais fait, à guetter les tarifs internet et ça va te permettre de pouvoir générer un peu plus. Alors, tu vas me dire 360 euros par rapport aux chiffres qu'on fait sur une location saisonnière, c'est pas énorme, mais moi, je ne suis jamais contre une petite économie si c'est simple à mettre en place. Et là, notamment, comme je fais ça au démarrage, j'ai simplement guetté les offres qui sortaient pendant le temps de mes travaux et puis au moment où il y a une offre conséquente et intéressante qui est sortie, j'ai souscrit de suite cette offre de façon à pouvoir payer juste 2 euros par mois au lieu des 30 et quelque chose qu'on nous demande à l'habitude. Voilà, c'était une vidéo assez courte, mais pour pouvoir te sensibiliser à ça, donc pour ça, tu as deux sites, venteprivée.com sur lequel il faut guetter et sinon tu as lebonforfait.com sur lequel sont référencés en permanence les différentes promotions de tous les opérateurs téléphoniques et il ne faut pas hésiter à faire jouer la concurrence sur ce sujet. Voilà, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me mettre le petit pouce bleu. Si tu as détesté la vidéo, tu me mets le petit pouce rouge. Et puis, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour rejoindre tout un tas d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Voilà, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.